Alors bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vais vous montrer 6 crypto-monnaies que vous devez posséder dans votre wallet pour les 6 prochains mois. En effet, suite à une précédente vidéo que j'avais tournée, j'avais conseillé un ami d'acheter certaines crypto-monnaies dont il a fait. Celles-ci ont tellement pris de la valeur que j'ai voulu faire une seconde où je vais vous montrer, à mon avis, 6 crypto-monnaies que vous devez posséder pour les 6 prochains mois. Ce sont des cryptos que je n'ai pas choisi au hasard. Ce sont des cryptos qui existaient depuis 2018, qui étaient là lors du premier bull run et du premier sommet du Bitcoin. Donc elles ont été présentes, elles ont chuté comme le Bitcoin, elles ont traversé une période désertique et maintenant qu'elles veulent lever la tête, j'aimerais vous conseiller de les acheter parce que dès qu'elles vont lever la tête, ça sera comme le métal que j'avais conseillé à un ami qui l'a acheté quand c'était à 0,3 et aujourd'hui, lorsque je fais cette vidéo, le métal est à 7. Donc ça fait pratiquement x21. Vous savez, la plupart des gens se focalisent sur le Bitcoin, l'Ethereum, bref, le top 10 ou le top 100 des crypto-monnaies dans le coin market cap. Mais ces personnes ignorent et négligent certaines crypto-monnaies qui sont loin derrière et qui font du x2, x5, x10 comme ça de manière totalement incognito. Et c'est ce genre de crypto que je vous conseille de donner une chance. Si vous avez des dollars qui traînent dans votre compte, vous ne perdez rien en prenant un peu de position. Et lorsqu'elles vont faire x5, x10, vous ne serez que gagnant. Mais je tiens aussi à faire un petit disclaimer. Cette vidéo n'est que mon avis et vous n'êtes pas obligé de mettre en pratique ce que je vous dis. On va se retrouver tout de suite sur mon écran pour que je vous montre cela en détail. Je tourne cette vidéo. Le Bitcoin est en train d'atteindre les 63 000 $ et je ne peux que apprécier. Bon, la première crypto-monnaie que je vais vous demander d'avoir pour les 6 prochains mois n'est autre que le MDT. Le Measurable Data Token, MDT, que voici. Son rang, c'est 556 et vous voyez, il a été créé depuis 2018 et il a longtemps traîné en bas là, il a longtemps traîné par terre. C'est une crypto qui date de depuis 2018. Il a passé une année 2018 à descendre. Il a passé 2019 en bas, 2020 en bas. Et maintenant, en 2021, il essaie de lever la tête. Donc, il est encore temps pour vous de reprendre position sur ce MDT. Parce que lorsqu'il va essayer de lever la tête loin ici pour rattraper l'ancien niveau là, ça sera du x5, x10 et même x20. Donc, pensez à MDT. La deuxième crypto dans ce top 6 n'est que Wink. Wink qui n'est autre que le Wink Shop et qui existe depuis 2020. Il a passé l'année à baisser, à être plat comme vous voyez sur le graphique là. Et aujourd'hui, bon, il a essayé de lever la tête. Et à mon avis, d'après mes analyses, il ne va que continuer à lever la tête comme ceci parce que les cryptos commencent à être populaires, les cryptos commencent à être démocratisées et c'est au grand bonheur de tous ceux qui les possèdent. Ça, le Bitcoin en fonçant vers le haut, c'est en train de tirer tout le monde à la hausse. La troisième crypto, c'est le MITH. M-I-T-H. Donc, pensez à regarder et voir ce que vous pouvez faire pour le MITH, qui n'est autre que le Midril, qui est aujourd'hui à 0,12 $. Vous voyez, c'est une crypto qui a atteint 1,2 et plus même, qui a passé pratiquement 2018-2019 à descendre, 2020 à être plat. Et aujourd'hui, il veut essayer de lever le bec. Si à votre niveau, vous prenez position aujourd'hui et quand le prix est encore à 0,12 là et que demain, le prix arrive à 1,2 comme on le voit ici sur le graphique, c'est du x10. Donc, pensez à Midril dans votre wallet. En quatrième position, pensez à du ZAP, WAP. Le ZAP, il est ici 607. Il a le rang de 607 dans le top market cap. Et aujourd'hui, sa valeur est de 0,21 $. Vous voyez, le ZAP existe depuis 2018. Il avait baissé comme toutes les autres crypto-monnaies. Il a passé pratiquement 2 ans à être plat et heureux sont les personnes qui l'ont pris pendant qu'il était encore plat ici. Mais il a essayé de relever la tête. Aujourd'hui, je pense que ce n'est qu'au départ, donc il a encore temps de prendre du ZAP parce que aujourd'hui sa valeur est de 0,2 et on voit ici en 2018 c'était de 1 $. Donc il a encore du x5 pour atteindre l'ancien sommet. Pensez à analyser et posséder du ZAP. La cinquième qui tourne n'est que le CRV. CRV, c'est une crypto qui est le rang de 105e. Vous voyez, il n'est même pas très loin du top 100. Et il a une valeur de 3,09 $ en ce moment. Il existe depuis 2020. Il a été longtemps plat. Et en ce moment, il est en train de vouloir prendre son décollage. Vous voyez, à l'origine, il était autour de 12 $. Et aujourd'hui, il est encore dans les 3 $. Ça veut dire qu'il a bien du potentiel avant de rattraper l'ancien niveau. Donc, j'espère que cette vidéo va vraiment vous aider. J'espère que cette vidéo va vous aider à mettre quelques dollars sur des cryptos à fort potentiel. Je n'ai pas voulu choisir des cryptos que tout le monde connaît déjà là. J'ai vraiment voulu m'intéresser aux cryptos qui sont nouvelles et dont on ne connaît pas assez, à qui on peut accorder notre chance et qu'elles peuvent bien nous apporter du bonheur et plein d'argent dans les mois à venir. J'espère que cette vidéo va vous plaire. Lâchez un like, abonnez-vous et on se voit à la prochaine.